Cette expo, c'est d'essayer de parler du climat et d'essayer de réfléchir aux enjeux autour du changement climatique. Le climat, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, mais qu'il faut qu'on essaye de comprendre. En tant que chercheur, on a déjà une mission, peut-être de créer de la nouvelle connaissance, mais aussi de participer à ce qu'on appelle la vulgarisation, c'est-à-dire à la transmission du savoir au public. Donc, ça fait partie de notre mission en tant que chercheur. Comment faire comprendre au maximum de personnes sans faire peur aux gens, mais juste en disant, écoutez, on a un problème, on se retrousse les manches et on peut trouver une solution collective. Donc voilà notre rôle et je pense que la casemate, c'est exactement pareil. Ensemble, avec des outils qui sont divers et variés, essayons, expérimentons, innovons et trouvons des solutions à cette question du changement climatique. La forêt des initiatives, alors tout ça c'est très symbolique, mais l'idée qu'on a là derrière c'est de montrer qu'à travers des petits gestes du quotidien et à travers des initiatives locales, tous ces gens-là essayent de proposer des solutions. L'idée de cet Oculus, ou en tous les cas plus particulièrement de la réalité virtuelle, c'est de se dire comment cet outil qui est purement technologique, il peut aussi aider à faire de la médiation et à parler en fait de ces questions de climat. Et c'est vrai que de le vivre, c'est très différent de l'entendre dans un journal, dans une radio, dans une télévision. Et on a du coup un regard qui peut peut-être changer.